Cette rencontre entre Étival, petite ville des Vosges de 2500 habitants, et Zagreb, capitale de la Croatie et ses 800 000 habitants, a un peu des airs de David contre Goliath. D'un côté, les Croates, tenantes du titre, toutes membres du top 40. De l'autre, les Stivaliennes, toutes classées au-delà de la 55e place mondiale et pour la première fois en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour le club, atteindre ce stade de la compétition est déjà un exploit. Cette année, c'est en fait les 20 ans, les 30 ans du club, pardon. Et pour nous, c'est une grosse satisfaction d'être en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est un club familial, c'est convivial et on essaye de prendre au sérieux ce qu'on fait sans se prendre la tête, en fait. Même soutenus par leur public, les Vosgiennes n'ont rien pu faire face à l'armada croate qui s'impose logiquement 3-0 sans laisser un seul set aux joueuses de Jérôme Imbert. Il faut dire que jamais des pongistes d'un tel niveau n'avaient évolué dans cette salle. On accueille à Étival les meilleures joueuses du monde. Donc rien que pour ça et pour faire profiter le public, c'est magnifique. Résultat, aujourd'hui, bon ben voilà, on avait 10% de chance, on a 1% de chance, mais voilà, on va pouvoir les retrouver dans deux jours et essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour le public qui vient quand même souvent nombreux. Rendez-vous demain donc pour un match retour sans grand suspense, mais surtout pour fêter la fin d'une belle aventure.